Bienvenue au Gondwana. Notre leader bien-aimé a pris tout le monde par surprise en annonçant sa candidature aux prochaines élections présidentielles. Sous sa dictature, les Gondouanais n'ont connu de souffrance. Toute fraude relevée par les observateurs internationaux entraînera l'application de sanctions. Je veux que vous alliez au Gondwana pour porter haut le flambeau de la tradition démocratique de votre pays. Partir une semaine en Afrique ? Bienvenue en République très très démocratique du Gondwana. Je voudrais rejoindre mes collègues, je fais partie de la mission des observateurs. Tu es congolais, non ? Je suis citoyen helvète. Tu as volé ce passeport là-haut. Alors, comme ça, vous êtes venu surveiller nos élections. Ne le voyez pas comme ça, nous observons et nous rendons compte à la communauté internationale. Vous avez dit communauté internationale ? Oui. Là, ça tombe bien. Il y a longtemps qu'on vous attendait. C'est Dieu qui vous envoie ici. Tous les dignitaires sont là et le président du Conseil économique et social. Ah non, président de la Cour des comptes. Comment ça ? On en a parlé avec le président. Et il a dit, faites comme vous voulez. Jusqu'à quand accepterez-vous de jouer les idiots utiles de nos dictatures ? Ils sont en train de tout organiser pour voler les élections. Nous sommes venus ici en amis. Alors, pas de procès d'intention, hein ? J'ai découvert de quoi faire tomber votre président fondateur. On est fatigués. Majorité, opposition, ils sont tous les mêmes. Je suis l'opposant numéro un de ce pays. Allez dire à président fondateur que jamais il m'achètera avec de l'argent volé. Laisse ça. On a un tout petit service à te demander. Quand tu vas gagner les élections. Faut pas nous oublier, hein.